Brave Jean, brave Jean, revenons sur Legend of Mana, alors que j'ai une chérie dissidente derrière moi qui veut pas quitter ma man cave. Allez, allez. Fais pas ça, ils vont croire que tu me tapes. Que je te bats. Ils vont croire que je te bats. Fais voir si j'ai un accent australien. Comment on imite l'accent australien quand t'es sourd et muet? Bah tu feras ta meuf plus fort. Ah, c'est garanti. Merci, Sir Artorius. Ok. Eh ben écoute, allez. Et surtout, le bain coule, va. Oui, je sais. T'aimes ma puce. Le bain coule, il va déborder. Allez. Il va déborder quand tu mettras ton gros cul dans l'eau, voilà. La tête qu'elle me fait. Ah non, 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 attends, non, il y a trop de choses fragiles. Non, non, il y a trop de choses fragiles. Tu ne peux pas projeter cet oreiller. Repose ça, repose. Ouais, mais s'il est debout. Et t'as pas. Merci. Ah oui, pardon, pardon. Merci. Allez, va. Allez, psst. Psst. Allez, hop, hop, hop. Va, le bas. C'est ta faute. C'est tout est de ma faute. Excellent. Bon. Ça ressemble un peu à une bite quand même, le ou qu'il y a au menu de start. Allez. On reprend Coca-Bit. La cocatrice. Voilà, on s'équipe bien. Comment se passe le son par rapport à ma voix? Voudrais-tu faire quoi de neuf avec Docteur avec DFG? DFG, DFG, ça me dit quelque chose. Laisse-moi faire une vérification. Docteur Feelgood, c'est ça. Merci. Et qu'est-ce qu'il veut, Docteur Feelgood? Qu'est-ce qu'il me veut? Bah, ce serait avec grand plaisir. Hey, effectivement, il a pris tout le monde du Z-Event. Let's go. Let's go, let's go. Il s'est installé. Mais attends, ça se passe où, Docteur Feelgood? C'est à Paris? Il habite où? Non, c'est pas PTDR, c'est qui? C'est quand tu dis DFG, j'avais pas la rêve, mais Dr. Feelgood, oui. Il a pas fait une émission psy, lui, avec un canapé et tout? Si, c'est ce que je suis en train de regarder, c'est incroyable en vrai. Eh ben écoute, DFG, s'il le veut, il me tweet, il me sonne, et on verra comment on organise ça. Ça demandera peut-être d'attendre que je passe à Paris. Mais ce serait avec grand plaisir s'il en veut. S'il en veut pas, je comprends. Ok. C'est exactement ce que je voulais savoir. Voilà. Je vais même le suivre sur Twitter, comme ça il pourra. Il a un Twitter, Dr. Feelgood? LOL DFG. C'est lui? Alexis Rodriguez. Ou Alexis Rodrigue, pardon, excusez-moi. C'est lui. C'est peut-être lui. 176K abonnés, ça a l'air d'être lui. Et je suis déjà abonné à Dr. Feelgood. Ah! 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 Bah, ce qui veut dire qu'il peut m'envoyer des messages. Donc je peux envoyer des messages. Et ou inversement, bah voilà! Il veut, il dit! Je vous jure. Voilà. Laissez-moi play video games now. Ok. Vas-y. Est-ce que tu vas venir à Japan cette année? Probablement pas. On veut t'étarder. Non, il faut que j'abandonne l'animal. Parce que je peux pas me battre avec l'animal apparemment. Ça a l'air d'être un élément bloquant.
Nous allons devoir abandonner notre animal. Voilà. J'ai pas vu l'émission avec Fred, du coup. Je me demande comment il vit sa psychologie. Comment ça se passe, l'émission avec Dr. Feelgood? C'est purement de la psychologie. Les gens parlent de tout, parlent de rien. Est-ce qu'ils rentrent dans des vrais sujets profonds? Yo! C'est quand même bizarre cette limitation dans les trois premières heures de jeu. Je pense que c'est scripté pour les combats. Fair enough. Ouais, non, c'est dingue. Merde, je suis allé à la piste de Lyon. Non, c'est bon. Crotte de gâte. Se rendre au souterrain, se rendre à la cascade. Souterrain. Ok, là ça frite. J'ai pas acheté du matos pour me battre. C'est scripté. Oh nice. Yay, un œil fâché. Plume flamboyante. Si quelqu'un sait ce que veut dire ce symbole de lapin barré en bas à droite, ça m'intéresse, regardez. Vous voyez? Ou alors est-ce que ça veut dire que je peux pas? Non, je peux quand même jouer à Ring Ring Land. Ça se trouve, c'était juste un symbole pour dire que je peux pas jouer à Ring Ring Land. Est-ce qu'on prend des risques? Tétardé dans l'aventure de Ring Ring Land. Go, tétardé. Ok. Un gros lapin. C'est safe. Égalité, ça veut dire qu'on avance. Fuck, perdu. Encore, mais nique ma race. Faudra trouver le moyen de tricher à ce jeu. Il s'agit de pas le perdre. Shit. Tant pis. Tant pis. Oui, Tenta, j'ai les guides pour les compétences, I'm ok. Non, il n'est pas définitivement mort, j'ai juste perdu et je peux recommencer si tu veux. Et ça, vous réagissez pas? Vous battez pas? Vous ne battez pas? Le symbole de lapin barré empêche les combats d'avoir lieu. That might be that. Live de 5 heures de Tamagotchi. Eh, hey, moi ça me rappelle les lives sur Yakuza 0. Hein. Vous savez, on faisait des lives entiers sur des courses de petites voitures. Ou même des lives entiers les combats de meufs, souvenez-vous. Les paris qu'il fallait faire pour gagner les combats de meufs. Ou les cabarets
Les lives sur le Sunside, c'est dingue, hein, le fait de changer de personnage qui te changeait tellement tous les mini-jeux, c'est une dinguerie. Hein. Yakuza 0 à ce jour, pour moi, ça met 1000-0 à tout le reste. Hein. Des lives entiers sur le Mahjong, mais oui, mais c'est exceptionnel. Enfin bon. Ça c'est bon, grâce à celui j'ai appris au Mahjong avec un de mes potes japonais. Ouais, mais après même si moi au Mahjong, souvenez-vous, je faisais des runs extrêmement simples. Hein. Il y avait pas de Hatsu, il y avait pas de voilà. Ça n'est arrivé que trois fois de faire une main au Mahjong qui était exceptionnelle, tu vois. Sinon c'était les runs et les pawns les plus simples. Hein. Mémoire, c'est aussi sur Yakuza 0 qu'il avait terminé son live le plus tard, à 8h20, je me rappelle bien. Ah, il y a très longtemps, je faisais des lives de 15h sur Crusaders Kings 2. Donc c'est pas mes lives les plus longs. Les fameux lives 24h, je les avais déjà fait, hein. Mais on remonte à loin, là. Pardon, madame. Excusez-moi, madame. Non, c'est pas là. Shit. Lapin. Oh, bonjour, je suis venu à Gatou spécialement pour trouver des insectes, les vertes boulettes. Ensuite, il suffit de les rouler et de les faire cuire à la vapeur, un pur délice. Les vertes boulettes de Gat se nourrissent des déjections de l'oiseau Cancan. Alors elles deviennent tendres et juteuses. La seule ombre au tableau, c'est que je dois traverser les grottes pour les ramasser. Et si on allait récolter des vertes boulettes tous les deux? Hein? Les vertes boulettes sont encore plus goûteuses quand elles sont fraîches. Petites affaires de Nicolo. Fort aimable. Les petites affaires secrètes de Nigoulo. Bon bah cactus, hein. Mushroom dance, the mushroom dance, whatever could it be. It means you live the life of sin.
Hombre, hombre, presto, presto. It means you won't cleanse you as it is. Attends, avant ça, est-ce que l'arbre mana a pondu des choses? Oh! Oh! Une horloge ananas. Classe. Un lispois. Une carotte épine. Un armadichou. Un champi à ressort. Une bombe trouille. Une patate moai. Et une aiguille laitue. Alors, une petite graine, une graine ronde, une longue graine, une graine ronde. Et bien, on va mettre deux graines rondes. Alors, on va poser un nouvel artefact sur cette map. Nous allons poser la tablette ancienne. Ancient tablet. There we go. Et on va la poser juste là. Nice. Et donc, c'est les ruines antiques. Ok, allons-y. Les ruines de Mindas. T'as désactivé la rencontre. T'es en danger. Les options, j'ai peut-être désactivé la rencontre. Effectivement. C'était donc ça. Ceci explique cela, mais ça veut dire que on peut aller récupérer Cocatric et se rebalader dans les cavernes de machin truc là. Donc on peut reprendre Tétardé. Non, Tétardé vit ses meilleures aventures. Tétardé vit actuellement ses meilleures aventures, brave Jean. J'arrive. Let's go! We'll be right back.
Victory! Ok, il a gagné 4 XP, on est d'accord. Il faut que je fasse un tour complet pour gagner ou pas? Putain, rien n'est moins sûr, hein. Allez, viens, Cocabit. Tour complet, c'est 31 cases. Jesus Christ. Speedrun Alès, c'est quoi Alès? Ah, 100 A. 86 heures. Super Mario 64, c'est possible? Jesus Christ. Je sais pas comment tu ferais en vrai. Ouais, il y a des moyens d'avoir des bonus, des buffs, enfin. Ça me paraît chaud, tu vois. Si j'avais le save stage, je pourrais, mais sinon, ça paraît chaud du cul. Enfin, allons-y. Alors, Strong and Music. Let's go! Let's go! Alors, on peut enfin affronter des mobs ici. Et c'est pour ça qu'on n'affrontait pas les Robins juste avant. Tout s'explique, hein. Non, on dirait des petits creux. Pourquoi j'ai rien à entendre? Après j'en entends rien, c'est sûr. Wouah, c'est quoi ces trucs? Ouch! Le Kurushdirzi! Aurora Borealis! Chulé! Attends, j'avais aussi fait le double jump tout à l'heure, mais c'était de la merde. Double saut et roulade arrière, et ça m'apprend pas. Soyez et double saut. Faut pas que je mette double saut, faut que je mette high jump. Voilà, saut aérien et rouler à l'arrière, ça devrait m'apprendre le
backflip, c'est ça. Chérie, tu dois tweet, rappelle-toi. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave, ça peut attendre. C'est pas la fin du slip. Dragon! Ok, on va le comboter. Je lui casse la gueule! Salto arrière. Alors, saut aérien. Et saut périlleux. Mais là j'ai appris salto arrière, on va le tester. On va le tester pour le plaisir. Alors, voyons voir. Je sais pas où je vais, mais je m'en fous. Personne ne passe, vous devriez chercher ailleurs, d'accord. Pas grave. Il connaît tous les noms des musiques par cœur, au secours. Oh, c'est classe. Kick. Sympa. Je peux qu'il y ait des flash kicks maintenant, ça déconne zéro. Non, non, c'était pas le tweet pour le live, c'était le tweet pour la séance dédicace de hier. Il est énervé ce blob, hein. Bap. Et je me demande, est-ce que je me suis équipé seulement des points de métal ? Tel que je me connais, je suis un fils de pute qui a même pas mis les nouvelles armes. Mais oui! Je me bats toujours avec la même merde! Pourquoi personne m'a prévenu? Ah! Bon. Fer de Forcena. Nunchaku d'acier! J'ai oublié le tweet de la séance dédicace à Vizy. Tant pis, ça arrive, écoute. Ils s'en remettront, hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de tout. Oh la vache. Vous maîtrisez les crocs de dragon et le brise-menton. Apprends deux techniques d'un coup, ça avance, hein.
par les plumes du phénix. Nice. Ok. Vous essayez de... Le singe ivre et crépuscule. Mais attendez, je maîtrise des techniques plus vite que je peux les utiliser. Au secours. Let's go! Des gobelins! Il pue la merde! Il valait que dalle! C'est une mimique ça! Une mimique! Let's go! Technique du singe ivre! Kino! Rien compris, mais c'était classe, merci. Le saut lunaire. Attends, c'est une nouvelle compétence de soutien, nice. Nice. C'est l'ultra de Dan, hein, le level 1, elle déconne, c'est vrai. Maintenant, le crépuscule. Nice. C'est un dragon. Vous maîtrisez Psyclone. Je vais pas faire une langue. Alors, attends. Chaîne de Ménos. Puissance minimale. On va pouvoir maximiser ce qu'on leur met dans la gueule. C'était le crépuscule. Crépuscule, c'est un dragon. Singe ivre, c'est le... Dommage. Le poussin m'a queuqué. Drop rien, j'en prends rien.
Sentier de l'Ariège. Du calme. Brise-menton. Attends, donc, note tout seul, attendez. J'ai besoin que vous preniez des notes, les enfants, parce que sinon on va pas y arriver. Hein. On va pas y arriver pour toutes ces nouvelles techniques qui se débloquent. Crépuscule, c'est un Shoryuken. Brise-menton, c'est un giga Shoryuken. Mais je trouve que Crépuscule marche mieux que Brise-menton. Voilà. Singe ivre, c'est classe Kino. Et Psychlone, ok. Ça nous laisse Croc du Dragon et Psychlone à tester. Oui, d'accord. Je vais casser la gueule. Cette esquive incroyable! Oh. Souterrain de Gat! Pelote de naine! Une chauve-souris grillée! Nous partageons notre élixir avec tous ceux qui ont un fût dans l'âme. On fabrique des élixirs bénis ici. D'accord. Nous deux, Croc du Dragon. Ratatata. Ok, c'est pas top. C'est juste une attaque dash. C'est juste une attaque en dash en fait, c'est pas top. Hein. Oh, nice! Vous êtes prêts à tester la technique ultime de l'univers? Ultimate Cyclone! Touré! Ok, donc nous avons testé nos techniques. Qu'est-ce que nous retenons des techniques de Nunchaku pour l'instant? Le singe ivre, c'est la base. Croc du Dragon, c'est un peu à chier. Ailes de Phénix sont plus pratiques. Crépuscule, j'aime bien Croc du Dragon. On va mettre Ailes de Phénix, voilà, pour zoner. Crépuscule, c'est vraiment le Shoryuken. Psychlone, c'est classe. Mais le singe ivre, c'est la tech. Hein. C'est vraiment la technique de l'amour. Alors, du coup, moonsault, high jump. Double jump, high jump and jump. Backflip, ouais. Moonsault, ouais. Tackle. Tackle, c'est lunge and push. Voilà.
Sur les couchants, t'as pas de test, il me semble. Si, je les teste. Qu'est-ce que c'est, cette de merde? Died like a bitch. C'est un demi-chien. Ah, Firestorm. See, I told you, like a bitch. Attaque insidieuse. À courte portée, dégâts moyens. Encore un coffre. Un objet volaille. Nice. Résolvez-vous différents et quittez cet endroit. Hein? Vous avez appris plaquage. Attends, plaquage, ça a l'air d'être un... Plaquage, ça a l'air d'une compétence... Ouais, tackle, c'est ça. Tackle. Tackle, il n'y a rien à apprendre à partir de tackle, donc on peut juste l'équiper pour l'équiper. Je vois. On a presque toutes les compétences de base, hein. Ok. Excusez-moi. Allez, let's go. Let's go. Ah, attaque insidieuse. Ah oui, c'est tout. D'accord, c'est vraiment... Ouais, ok.
D'accord. Alors, attendez. Ok, là je te tiens. Attaque insidieuse. Boum. À toi. D'accord, mais il faut que je le touche pour ça. Le fait que je doive le toucher, pour moi, n'est pas un... n'est pas un point vendeur, si vous voyez ce que je veux dire. À ce compte-là, je préfère Aile de Phénix qui zone, tu vois. Cyclone est plus efficace, mais... C'est décevant. Ouais, ouais, bah écoute. Ça arrive, hein. Toutes les techniques sont pas des bangers, hein. Comme technique. Écoutez, ta gueule a l'air vachement utile, grave, hein. Grave, grave, grave. Je veux pas dire, mais ça m'est mis le zéro, hein. Alors, je viens là juste pour poser mon Pokémon. En vrai, Cocabit, il est based, hein. C'est pas pour dire, mais... il est assez imbloquable, hein. Dîner des rois ce soir, souffre de récup. En tout cas, nous avons appris de nouvelles techniques de combat et ça c'est quali. C'est un JRPG ? Non, tu crois ? Est-ce que tu sens l'odeur de l'ESG sur ce jeu ou pas? Ou le die, ou tout ce que tu veux, ça change de nom, c'est au fur et à mesure. BlackRock n'a pas mis ses mains sur ce jeu. Alors, voyons voir. Nous pouvons donc aller aux ruines de Mindas. Voyons voir. Surtout maintenant qu'on est seul. On peut y aller avec une volonté de violence encore plus accentuée. Donc là, il faut... Ah oui, on a pris et pousse aussi, attends. La poussée est utile, mais il faut que je change. Alors, repli. Et c'est chier. Encouragement. Faut que je fasse encouragement et repli. Voilà. En faisant ça, déjà, ça devrait m'apprendre la provoque.
Oups. Un soupir de jouvencelle, stylé. D'ailleurs, vous voulez qu'on ramasse des feuilles de thé, mais on s'est tous les deux perdus. J'aime pas vraiment me perdre, moi. Il est perdu, ce gars. Allons-y. Alors. Ok, let's go. Ah, je fais de la prog, c'est ça. Ça fait des dégâts, hein. Cyclone. Bien, on va tester une nouvelle arme de fait. On peut tester l'épée de fer. Je sais pas ce que vous en pensez. On a les gants de fer, mais on peut tester l'épée. Hein. Ou alors on peut tester le couteau aussi. On va pas apprendre des nouvelles techniques, mais... Chouing. Ah, c'est marrant, il a une rapière, quoi. Ah, 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 putain. Et ça, c'est le dragon. Ça, c'est la patate. Ça, c'est la provoque. Efficace, j'ai envie de dire. Hein. Le florentrope près des quatre portes est responsable de les ouvrir et de les fermer. D'ailleurs, il y a des florentropes qui fonctionnent comme des clés. Il faudra se souvenir de leur position pour savoir quelles portes se sont ouvertes. Quoi? Attends, ouais, ouais. D'accord, bon. Fuck cette zone, d'accord. Je propose qu'on s'y perde dans cette zone. On verra bien. La porte qui mène sous terre ne peut être ouverte que par la psychokinésie. C'est exténuant à utiliser. Arrêtons de parler au PNJ, cherchons la guerre. Nous sommes les clés des portes. Nous sommes les clés des portes. Ah ouais. Griffe acérée, cool. Une viande amorphe, ok. Pas toi. Et ils ont été exécutés, quoi. Par contre, du coup, j'apprends pas de nouvelles techniques. Comment ça marche? Porte ouest. Nous sommes tous connectés entre nous. D'accord. Psychokinésie en préparation. Psychokinésie activée. Ok. Là, non? Merci. Ah,
J'ai pas appris de super technique. Une frappe live. Ok, alors attendez. EI Strike, ça n'est que si tu maîtrises Lunge. Ah! Donc ça veut dire qu'effectivement tu peux les apprendre de manière assez aléatoire. Mais il faut avoir appris les techniques d'abord, d'accord. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour apprendre les techniques d'armes? Est-ce que c'est juste en maîtrisant les compétences secondaires? Ou est-ce que c'est un taux de probabilité où il faut un niveau de maîtrise des compétences secondaires? Comment ça se passe en fait? Tout est mystérieux. Avoir appris les compétences mais pas besoin de les équiper, d'accord. Et du coup Tenta, qu'est-ce qui m'octroie la possibilité d'avoir l'ultra ou pas? C'est un coup de chance, un nombre de combats fait avec une arme? Archibald Balthazar a vu ce point, madame Toula. Coupe de bambou, d'accord, bambou strike. Malheureusement, j'ai jamais su, c'est sûrement aléatoire. Ah, et ça a ouvert le passage en bas à droite. Nice. Structure mégalithique. Je le sens, je le sens. Ah. Nous sommes tous connectés entre nous. D'accord. De la structure. Nice! Exécuté! Oh, le vampire classe, la Carmilla! Frappiaille! Psoui! Ah merde, ça a pas touché. Oh. Que du fric. Technique spéciale, provocation et une compétence Maelstrom. Nice. Il est très insidieux. Ouais, il faut que j'arrive à le caler. Hein. Il s'est fait pulvérer. Soleil levant, tire en pierre de lune. Pas d'épée moins forte. Si, attends, je crois que j'avais acheté l'épée de base, non? Épée de Ménos, ouais. Super. Elle tape moins fort, du coup, on pourrait pouvoir caler plus de super attaque. De soutien, esquive, maîtriser une technique spéciale, triple tibre, extoc de projection, coupe de pain, rapace et vrille. Ah oui. Est-ce que quelqu'un prend un screen? Parce que c'est beaucoup, tout ça, ouais, c'est beaucoup de choses, ouais. L'illumination.
Alors, provocation. Esquive. Snap. Ouais, j'avoue. Alors, voyons voir. J'ai réussi à caler cette attaque. Frappe, yay. Yay. Oupsouï. Ouh. Ça gifle, hein. Mais il faut que ça touche. Donc c'est peu effectif. C'est quoi ce truc? Provoque. C'est quoi ça? Nani? Oh, le Shadow Clone! Cocodé! Coupe du bambou! Touille! Attaque sautée. Sympathique, mais on n'y est pas. Hein. Patrice SSJ4, je me souviens de toi. Tu ne peux plus redire des choses illégales comme ça sur mon stream. Il y a déjà une vidéo entière qui t'est consacrée. Ok. Maelstrom. Sympa. Pulvère. Tiens, en pierre de lune, nice. Maelstrom dégâts mineurs, j'aime pas perso. Bah c'est comme le zone du phénix en fait. Toutes ces attaques se ressemblent, hein, finalement. Il me chope. Cocodé. Cocodé sûr. On va voir. Soleil levant. Un dragon. Bois. Alors, triple tigre. Coupe de pain. Estoc de projection. Rapace évrille. Si, si, j'ai fait la coupe de bambou. C'est juste une attaque sautée à l'épée. C'est pas top. Ah, duel, où es-tu? Pourquoi tu viens pas m'aider? Je suis si seul. Bon sang, je suis tellement sacrément seul. Je vais rendre. Est-ce que c'est là où je suis censé me rendre? C'est l'heure d'un boss. Et ben let's go. Attends, est-ce que je suis bien équipé de la petite épée? Épée de Ménos, ouais. Il tire en pierre de lune, let's go. Je prends exprès la petite épée.
J'ai l'épée émoussée juste pour lui. Tu serais pas ce gâche-tal, là? On s'est rencontré à Dominion. Je suis venu chercher de bonnes petites feuilles de thé, mais je me suis perdu. Et voilà comment je me suis retrouvé ici. Je comprends pas pourquoi Duel est toujours pas venu me chercher. Je passerais un sacré savant s'il était là. Ah, j'ai failli oublier. Il y a une terrible chauve-souris suceuse de sang dans le coin, hein. Fais attention. Ouch. Madame, s'il vous plaît, mademoiselle. Prends soin de toi, hein. Bonjour. Oh! Ah, d'abord une créature magique remplie d'eau, et maintenant un humain dégoûtant. Seul le sang des paisibles colombes peut apaiser ma soif. Mais avant de boire, je vais devoir m'occuper de cet indiscret intrus. Come and fight me, bitch! I'll fuck you up! T'es pas touché? T'es pas touché. Triple tigre! Classe! Coco 2. Coco dessus. Coupe de pain! C'est pas mal. Et stock de projection, j'ai pas fait celui-là. Let's go. Et stock de projection. Sweet. C'était un dragon, c'est à chier. La seule attaque viable, c'est le triple tigre. Coupe de pain, jamais réussi à le caler. Rapace, c'est une attaque aérienne qui zone, c'est pas mal. Mais triple tigre, c'est la seule vraie attaque. Hein. Coco 2. Coco 2. Haha. Ah, bien joué. Let's go, finisher. Triple tigre. Pierre, papier, ciseaux. Nice! Esprit en bouteille. Yay! Duel, oh, pourquoi t'es pas venu me chercher, hein? Ah, t'es hier. Eh ben, t'as vécu une drôle d'aventure à l'intérieur, hein? En quête de feuilles de thé, pas vrai? L'aventure, c'est la vie. Mais seuls ceux qui savent en profiter grandissent. Pousse toujours. J'étais dans un sacré pétrin là-dedans. Ha! Rentrons boire une bonne tasse de thé. Ce serait charmant. Une petite tasse m'aidera à oublier ces horribles événements. Et ensuite, place à une autre aventure. Oh, mon cher, jamais de la vie. Cute. Une théière en danger. Fin. Putain, elle a des bras, la théière, par contre.
Parlons à la plante et retournons dans ces ruines mystiques et étranges. Nous allons pouvoir nous repérer à l'intérieur. Ces connards qui bloquent ma route. J'aime l'auto. Il est parti. Je dois tout consigner pour le compte de la Chine. Alors du coup, nous avons testé les techniques à l'épée. Triple tigre, CK, classe, coupe de pain, faut que ça touche. Escotte toc de projection, c'est juste un dragon. Rapace, c'est pas mal, c'est coupe de pain le problème. Par contre, nous avons vrille. Nous allons vriller. Ok, nous y voici. Alors, sauvegardons. Mais avant ça... Ring, ring, fun, fun, land. Allons-y. Ok, je vais pouvoir tester la ruine. J'ai appris frappe croisée, nice. Vrille n'a pas touché, mais du coup voilà. Merci Toxine.
Allons-y. Alors du coup, vrille, ça je l'ai appris. Vrille, c'était quoi comme attaque? Ah oui, c'était un saut périlleux arrière avec plein d'attaques. Et ça, c'est frappe croisée. Let's go. Saleté. Frappe croisée. Nice. Très joli. Voilà. Avec ça, je pense que je suis pas mal. D'où backflip, yeah. J'avais fait ça tout à l'heure. Les clés des portes, allons-y. Ok. Brise de tigre, nice. Ok, nice. Ah, chier. Ah. Rapace. Soit. C'est classe. C'est classe quand ça marche bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça marche. Ok. Ah putain, je viens de suivre la Solus pour voir si j'avais bien exploré tout l'endroit. Mais croyez-le pas, j'ai trouvé le passage tout seul comme un grand. D'accord.
PTDR. J'avais besoin de personne, moi, ma bonne dame. Créature qu'on n'a jamais vue. Griffe de tigre. Come on, mon ami. Coucou. Ça marche, ça, seulement ? Il n'a pas l'air convaincu, hein. Bon. Nice. Allez, recommençons à apprendre des capacités. Des capacités nouvelles, voyons voir. Alors, on a le taunt, on a les bains, toss. Alors, toss, c'est bash et crouch. Catapulte. Et flexion. Chauve-souris grillée, nice. Voilà, là on est sur le chemin du retour. Ouais, j'ai pas eu besoin de maths pour me repérer, hein. Triple tigre, rapace, frappe croisée et griffe de tigre. Griffe de tigre, c'est classe. Mais pour eux, rapace. Attention. Nice. Bah. Voilà. Vous déposez des... Vous avez deux projections soutien. Projection et balayage glissé. PTDR. Il manque plus qu'une compétence et on les aura toutes, hein. Alors slide, balayage glissé, et projection, c'est toss. Et il nous manque flip kick et on les aura tous. On a speedrunné le processus, hein. Cookie est fort, let's go. LOL, ça les fait choir. Ouais, c'est fort, hein. Let's go. Ouais,
demande à quoi ça sert réellement. Ça sert à les attaquer alors qu'ils sont en l'air. En vrai, c'est utile quand tu as un grand saut, mais... Zangief est overbroken. Ouais, j'avoue. Tout va bien, brave Jean, je m'amuse. Hein. Ah, je peux pas utiliser de super attaque pendant qu'ils font ça. Griffe du tigre! Alors, c'est sympa, mais. Backflip et backroll pour apprendre defensive kick. Ok. Voilà. Maîtriser la technique spéciale, queue de dragon. On va voir ce que ça vaut, hein. Let's go, Dragon's Tail. Nice! Nouvelle compétence soutien, coup de pied sauté. Vous avez appris toutes les compétences. Hey! Ça perce en attaque de zone, ouais, c'est fort. Oh, oh, ce backflip qui hit. Par contre, je peux pas taper deux fois avec le saut. C'est à la fois ça et l'autre. Nice. Eh ben super! Brave Jean, à chaque nouveau donjon, nous pouvons changer d'arme et changer même de compétences, histoire de voir ce qu'on peut apprendre dans les super coups. Parce que Dieu qu'on a appris plein de trucs, si tu veux. C'est une dinguerie. C'est une dingue. Alors. Thank you.
Sauvegarde rapide. On va sauvegarder là, ok. D'accord. Alors, Ondine. Ils disent retourner dans les mines. Attends. Ah, il en manquait, attends. Ah, mais voilà, j'ai besoin qu'il soit avec moi dans mon équipe pour le prochain événement, ok. Mes excuses. Donc, il faut que j'aille parler à Buddy. Avant, j'étudiais la magie à l'académie. J'y ai tout appris sur les 7 sages de mana, mais l'un d'entre eux est mort, il y en a plus que 6. Je vais vraiment les rencontrer un jour, je me demande où les trouver. Eh, hey, si on partait chercher les sages? Let's go. Ça, ça m'intéresse. Let's go. La quête des sages. Bud, level 5. Synchronisation esprit plus. Augmente votre esprit. Ah, force Athanor. Ah, oh. Brindy, c'est sans doute Luna. Non, Aura. Merde alors. Qui est Brindy? Dryade, ombre. Est-ce que Aura, ça doit être Lumina et Brindy, ça doit être Luna, je pense. Ok, force Athanor. Brusant. Dextérité, ok. Niveau d'attaque de compétence, d'accord. Protection d'attaque physique, protection d'attaque magique. Modifier les PV. Défense contre les altérations d'état, durée de l'état, l'altération d'état, et fréquence de découverte des trésors. Ah! Donc c'est intéressant de jouer Aura. Brindy, c'est la lune, je ne sais pas. Coup de bille, hein. Il a une poêle à frire, c'est une épée à deux mains. Et il a du matos acceptable. Ah! Il a les instruments de musique. Réflexion et encouragement, c'est un sorcier, ok. Meanwhile, pour ma part, qu'allons-nous équiper pour accompagner Buddy? Qu'allons-nous apprendre? Est-ce qu'on s'équiperait pas des gants juste pour flex? Quelle arme vous voulez voir, brave Jean? N'hésitez pas à le dire. Quelle arme irait bien avec le petit? Avec le petit gobelin. Nunchaku 100% gameplay maxi direct. Le hammer. Tu veux un marteau? La hache. Hache simple ou hache double? J'avoue que la hache simple. J'ai Snabo qui me suit. Ok. Il va donc falloir maintenant que je découvre, enfin que je rajoute une nouvelle map. L'esprit en bouteille. Et que je le pose juste à côté du temple de Donjon. Let's go. Nice. Sympa. Et c'est donc les mines d'Ulcan. Let's go. Ah.
Un objet de rouille. Hé, hey, mais c'est Pokiel! Pokiel, who the fuck is Pokiel? Je m'appelle Bud. Je parcours le monde pour écouter les conseils des sages et devenir un grand magicien. Bonjour, Bud. La déesse fait toujours tout ce qui est en son pouvoir pour nous aider. Il nous suffit de trouver pourquoi. Merci, Pokiel. Bonjour, je suis Pokiel, le compteur. Le maître est sorti. Il s'est probablement engouffré dans les profondeurs de la mine pour extraire du minerai. Mine de rien. Je vous conterai les exploits héroïques de Watts lorsqu'il émergera des entrailles de la Terre. Ok, Ah, une taupe. Joli. Voilà, ça tue. A atteint le niveau 10. Alors malheureusement... Ah! Il y a des techniques à la hache qui marchent avec l'épée, lol! Ah! 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 Il y a des techniques qui sont communes ainsi. D'accord. Ok. Moi, je laisse un peu trop souvent son magasin sans surveillance, si tu veux mon avis. Des arbres. Nice. Alors, quels sont les coups les plus utiles ? Balayage glissé, projection, esquive, ça c'est Kokoda, provocation, riposte, contre-attaque, plaquage, c'est pratique, double saut, saut aérien, saut lunaire, salto arrière, roulade arrière, saut aérien, catapulte. Si je suis à la hache, quels sont les coups qu'il faut que j'équipe? Voilà, la hache, let's go. J'ai vraiment simplé avec toi, Loloï. Une statue, hell yeah! Might as well! Aha! Coupe de pain, soleil levant et frappe croisée.
Soleil levant. Est-ce que c'est le même coup que le Nunchaku? Hop. Ah non, c'est la même attaque que l'épée. Ça partage donc des movesets, hein. Je m'en doutais, hein. Entaille profonde. Nice. Oh. Oups. Hop. D'accord, c'est ça, catapulte. Hache fulminante. Le problème, c'est que j'apprends les techniques trop vite pour pouvoir les tester sur les adversaires PTDR. Bob! 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 Alors, coupe de pain, hache fulminante, frappe croisée et entaille profonde. Entaille profonde et hache fulminante sont nouveaux, let's go. Hache fulminante! Let's go, c'est classe! C'est le coup de Ganondorf! Tornade! C'est classe, mais il faut du spacing. Ouais, tout à fait. Oh. Oh well. Je veux pas que je suis occupé, là. Reviens plus tard. T'es dur de la feuille, va voir ailleurs si j'y suis. Tu vas me lâcher, ouais. Mais c'est que ça rentre par la fenêtre quand on met à la porte. C'est pas pour les petites natures, les mines. Tu ferais mieux de tracer ta route, allez. Wow, let's go. Ouch. Entaille profonde, frappe croisée, tornade et hache fulminante. Entaille profonde! Bam! Oh! Come on, buddy! Contre-attaque que je lui ai mis. Ouf. Ouh, on respire un instant.
tornade. Wouhouhou! Vas-y, zone, frère. Bla. Oh, I'm dead. Debout, Gashtal. Debout. Ok. Jeu qui se réveille, ouais. Hache fulminante. Vouap. Bien, ouais. Merde, attention. Moi. Nice. Non, non, attends, attends, c'est un piège, lui, il va exploser aussi. Fais ça. Frappe croisée. La croix, tac, touille. Shit. Ah! Bouillet! Ok, ok. Entaille profonde, hache fulminante, frappe croisée, tornade. Hache fulminante, entaille profonde, il faut le toucher. Blé! C'est tellement mal ça. En taille profonde. Touille. Hache fulminante. Ganon throw. Tour. Nice. Vous maîtrisez 10 milliards de techniques spéciales. Mastery over the axe! Qu'est-ce que tu crapahutes de ses pieds sous terre? Ce minerai vaut peut-être son pesant d'or, mais allez expliquer à ce monde féroce qui rote. Rentre chez toi! Attends une seconde. Boss fight. Ok. Je l'ai tué. Tué ? Toi ? Bah voyons, laisse-moi rire. Eh, hey, mais si c'est pas la tête brûlée que j'ai croisée dans les mines ? Yep. Certes, certes, mais c'est de l'histoire ancienne tout ça, hein ? C'est pas le tout, mais j'ai du pain sur la planche. Fais comme c'est toi, hein ? Ah ah.
Eh bien, puisqu'il est revenu de son odyssée souterraine, laissez-moi vous narrer les exploits héroïques de Watts. Mesdames et messieurs, pour qui elle présente la bravoure de Watts. Oh, grand Watts, un corps grêle sous un casque majestueux. Il frappe avec son marteau et son casque majestueux. Watts, notre Watts, votre âme transparaît dans votre casque majestueux et Watts, Watts, notre Watts. Ouh, vous n'avez pas accompli grand-chose, maître Watts. Ferme ton clapet, espèce d'oiseau de malheur. Parle mal. Ainsi se termine cette histoire sans début. Oh. Miroir lunaire, yes. Mine de rien. Watts, l'enfant nain. Tu vas te chier dessus à crafter des armes. Ouf. Rentrons à la maison. Seul moyen d'être OP. Non, le seul moyen d'être OP, c'est de savoir jouer, si tu veux. T'as bien vu. A plus. Je peux enchaîner le boss de fin, si je veux. PTDR. Sauf s'il y a des frames d'invul dégueulasses. La cactus dance, la cactus dance, whatever good in me. It means your SSD will die. Retournons aux mille Dulcan. Il y a un panneau, mais il faut pas le suivre pour l'instant. J'ai perdu mon fidèle marteau, je peux plus travailler. Ouvre l'œil dans les tunnels et rapporte-moi mon marteau si tu le trouves, ok? Bien sûr. Merci mon petit. Si tu décotes mon marteau, foi de Watts, je t'apprends à forgeronner. Watts et marteau. Campagnol à grande vitesse. La cachette des creuses. Nani? Le marteau de Watts. Hey, that's nice. C'est un recueil de poésie. Souhaitez-vous le lire? Bien. Brille, brille, petite étoile. Pourquoi tu brilles comme ça? Tu ris parce que t'es trop contente ou c'est le vent qui te fait trembloter? Mais toi! Sale petit fouineur, arrête de lire mes poèmes. Ok, ok, pardon. Boba. Hop. Ok. Moi c'est Roger, chef des creuseurs. T'as, tu sais, un avis sur mon poème ? Y'en a d'autres? Vraiment? T'en veux plus? Bah du coup, je suppose que je vais devoir t'en donner plus. Ah, je me lance! Le trou et moi. Je suis un trou dans le sol. Un trou que l'autre puits ne peut remplir. À temps creusé, me voici vite. Je creuse encore et toujours pour trouver cette chose que cherche mon cœur. Ô déesse de mana, qu'as-tu t'as caché dans le sol pour moi? Des gemmes brillantes, du bric-à-brac inutile? Je creuserai encore et toujours en quête du trésor de la déesse. Je creuserai jusqu'à ce que ma vie touche à sa fin. Travaille comme un chien! Travaille comme un chien! Pas moi qui rougis, c'est toi. Oh, il est bon son poème en plus. C'est Kino.
Ouais, d'accord. Ah, bonjour. J'aurais peut-être équipé une bonne hache au fait, hein, parce que j'ai toujours l'hache du début du tutoriel en fait. En même temps, je l'ai équipé pour maxer les points de spé. Alors, va et vient électrique. Châtiment. Quatre faucons. Saumon grimpeur. Ok. Qu'est-ce que c'est cette merde? T'es dangereux toi ou bien? Aouh! Saumon grimpeur! D'accord.